prochaine, mais c'est des cas. Prends les protections. On rentre à la maison après, on est content. On embrasse les enfants. Macron,
oui, oui, un mec. Oui, oui. Et là, ils ont rencontré tout à l'heure. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oh les mecs, les ordres, ça va pas là, c'était une personne âgée là. Ça va pas là, c'est une personne âgée, ça pourrait être votre père ou votre grand-père. Un peu des retraités maintenant, tu sais, sérieux. Tous les samedis. Réveillez-vous, sérieusement, là, ça va pas, là. C'est pour être mon père, là.
Putain, le mec il me menace en plus, tu sais. Ils sont tarés là. Quoi? Ça pourrait être votre père, votre grand-père, la mère d'en! Mais ils taperaient même sur leur mère! Votre mère, ils taperont! Même sur votre mère, vous taperez! Regardez-le! Mais il a un fou, monsieur, il a un fou! Faites attention parce qu'en plus ils sont l'est de la macraque. Ils ont envie de taper dans tous les sens. Attention, elle est française, elle est chez lui. Un grand-père français chez lui se faire défoncer. Mais le honte, mais quelle honte! Tu vois le lit qui sourit? C'est... Mais oui, non, mais ouais, j'hallucine. J'en ai plein. Mais même en fait, tout à l'heure ils l'ont chopé et tout. Tu sais, ils tapent, ils ont la matraque hyper l'est. Ben je sais, ils aiment lui, ils kiffent là. Non mais là c'est du jamais vu. Hein. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Un grand-père se fait réclamer comme ça, il va se payer les Français, c'est ça le J'essaie de mettre des petites graines. Ouais, je sais. Voilà, j'essaye, mais je vois que. Je me dis après, peut-être qu'il y pensera ce soir. C'est pour lui, hein. C'est pour lui, ne le trouvez pas.
Donc c'est bon, super, génial, à tout. C'est à vous le camion? Vous êtes de la police ou quoi? Non, non, je fais sentinelle en fait. Et vous cherchez quoi? Sentinelle du peuple. On cherche à savoir à qui sont les camionnettes. Il paraît qu'il y a eu du vol, en plus il y a des trucs de Marseille et tout ça là, c'est chelou ce qui se passe. Il y a des gens habillés en Robocop. Entre Robocop et Tortue Ninja. Mais oui, moi aussi je suis Tortue Ninja, ils sont verts. Bah oui, oui. Non, mais tout à l'heure, j'en avais vu un qui avait une tête de crapaud. Ah bon? Alors, vous le connaissez peut-être pas, mais il a tapé un handicapé, quoi. Ah. On aurait dit Jabba the Hutt. Ouais, mais il vaut mieux rire, hein, parce que tout à l'heure, il y a une fille qui pleurait, quoi. Parce qu'ils ont attaqué une personne âgée. Vous savez, il faut voir les deux côtés. Vous savez, moi, je me suis pris des pavés. Mais je suis au courant, j'ai rencontré Alexandre Langlois. C'est devenu un ami, c'est la première fois que je rencontre un ami policier. Moi, ça fait un moment, je me suis pris des pavés dans la gueule. Mais je sais bien, je suis bien au courant. C'est des deux côtés. Mais c'est dommage qu'il y ait une sorte de face-à-face comme ça. C'est ce que je disais à Jérôme, le chef de la CDI 34. Au final, ils ont c'était prévu qu'il y allait de mettre les gens. Contre la police, voilà. Et ça, c'est dangereux. Et que la question principale, elle est... C'est pas là, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Voilà, on est tous d'accord de toute façon. Et oui, c'est ça le problème, quoi. Et c'est ça qui rend... Il y avait une jeune fille qui pleurait tout à l'heure, oui, après une personne âgée. Là, il y a un fameux blessé. Après, c'est dommage, ça. C'est bon, ça devrait bien se passer. Ben oui. Là, c'est pas bon que ça fasse guerre civile, là. Hein? Ça tape du vieux. Les vieux, t'as vu les deux vieux, les deux papis? J'ai filmé. Même des handicapés. Un truc de fou, hein. Pour rien, à chaque fois. Pour rien, hein. Pour rien. Les handicapés aussi. Oui. Les handicapés, les personnes âgées. On tient au courant, on te tient au courant. Ah, là, on va le rendre fou, ce monsieur. C'est pas grave, c'est eux, ils nous rendent fous, ils nous gâtent toute la journée. Ah non, mais là, ils ont tabassé des gens comme ça. Ouais, des papis aujourd'hui, deux papis de Palais Vert. Moi, tout à l'heure, j'ai vu de Médic. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Ah non, mais là, ils ont tabassé des gens comme ça. Ouais, des papis aujourd'hui, deux papis de Palais Vert. Moi, tout à l'heure, j'ai vu de Médic. Ah, ils ont parlé de manger des kebabs, hein, mais c'est clair, quoi. Avec Zemmour, ce qu'il dit en ce moment... Plusieurs fois, j'aurais pu prendre un coup de matraque sur la tête. Ah bah oui, bah il faut un casque, j'ai... Il faudra un casque, je crois. Tu prends des risques. Arrête là en fait. Les gens qui font leurs courses. Quelle loi? Allez, circulez, merci. Vous allez faire quoi?
Quand on n'aura plus de sécurité sociale, qui va vous soigner? Quand il n'y aura plus d'infirmières d'hôpitaux publics, qui va vous soigner? Comme nous, c'est pareil. On est en train de casser tout le public. Vous faites partie du public, et tout, vous ne serez plus là non plus. On vous remplacer par des privés, les gars. Voilà. Après les photos. Mais je suis beau. Regarde, à la passe, je suis beau aussi. La bac et tout, moi, il m'avait pris sur tous les angles, je me rappelle, il y a au mois de mars. Quoi. Ouais, mais moi, ça passe, en fait. Pas sûr. Non, je veux pas de coups de batte. Hein. Ça m'a fait trop de stress. Quoi? C'est sympa. C'est certain de circonstances. Non, mais ça dépend. J'arrête pas de me protéger avec les bras depuis tout à l'heure. Je sais que tu plaisantes. Mais c'est de l'amour, en fait. C'est ça. Ils nous aiment, en fait. Mais oui, on n'a pas compris. Ce n'est que de l'amour. Allez. On va boire une bière, non? Il a tapé. Il a essayé.
Attends, il y a une charge, voilà. Voilà une charge. Arrive à l'observatoire, je te rejoins. À toutes. À toutes. Ah, ils ont pas si. Il allait me taper, ça m'attrape. Non, il allait pas taper. Ça y est, c'est fini, on a tout raté. Il y a quand même des essuie-glaces de derrière. Faudrait pas qu'il essaye de regarder derrière. Allez, suivez-le, hein. Yeah. Des essuie-glaces derrière, ça fait carotte. Allez, la France, 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 allez, la France